Sorteco France est une filiale du groupe allemand Sorteco GmbH, spécialisée dans la fourniture de bandes de champ, de colles, de plaintes, de profilés, de feuilles d'enrobage, de papier décoratif et de bordures anti-choc. Sorteco France compte parmi ses clients des grands noms de l'ameublement, comme Maubalpa, Schmitt, Gautier ou encore Trigano. Nous employons 24 collaborateurs et nous réalisons un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros. Le RP de Sorteco France était vieillissant et montrait ses limites. Il ne pouvait plus s'adapter aux nouveaux besoins de l'entreprise. Le groupe préconisait l'utilisation de solutions SAP. Et pour cette raison, Sorteco France a décidé, fin 2018, de basculer vers le RP SAP ECC, avec en ligne de mire une migration vers le RP intelligent SAP S/4HANA. La prise en charge du projet a été confiée à un acteur français à taille humaine, Argos, filiale industrie du groupe Augusta Reeves. Aucun cahier des charges strict n'a été défini au lancement du projet. Notre approche a consisté à adhérer le plus possible aux best practices préconisées par SAP, en adoptant toutes les fonctionnalités qui pourraient être utiles au métier, dans la limite bien entendu du budget fixé. Nous sommes partis de la fonction finance avant d'étendre progressivement le périmètre de notre nouvel ERP aux achats, aux ventes, aux stocks, ainsi qu'à la production et à la logistique. Ce projet a également été l'occasion de mettre en place quelques outils spécifiques à notre secteur d'activité, comme un configurateur commercial et du barcoding pour nos stocks. Fin 2020, Sorteco France a lancé une migration technique à périmètre constant de SAP ECC vers l'ERP intelligent SAP S/4HANA. Un projet relativement court et pour lequel les métiers ont été un peu moins sollicités. La migration vers SAP S/4HANA a été plus simple que le passage à SAP ECC, car les métiers s'étaient accoutumés au processus et au flux SAP. Avec l'aide précieuse d'Argos, qui a su nous accompagner processus par processus et flux par flux. Après les premières vagues de migration, nous nous sommes organisés pour revoir tous les flux et vérifier s'il n'y avait pas de régression. Et le go live du système SAP S/4HANA a été effectif le 19 juin 2021. Nous continuons à travailler régulièrement avec les experts d'Argos. Nous recevons beaucoup de conseils de leur part qui permettent d'en apprendre chaque jour un peu plus sur notre système. Avec le recul, avoir opté pour des flux standards a vraiment été une bonne chose pour nous. Il y a certes encore des choses à améliorer, des processus à optimiser, mais les utilisateurs se sentent aujourd'hui à l'aise avec leur nouvel ERP. Nous pouvons commencer à nous projeter vers de futures évolutions, comme le déploiement des cockpits et de Fiori. Ce projet réussi inspire d'autres filiales du groupe. La division américaine de Sorteco devrait ainsi mettre en place le ERP SAP S/4HANA courant 2022 avec l'appui et les conseils de Sorteco France.